décidément, le mot, il disparaît tous les matins. Ah, mais tu sais, lui, dès qu'on tourne le dos, mot. Hein? Ouais, mais attends, moi, j'y comprends plus rien. Il est pas dans le bungalow d'Angela. Il est pas dans son bungalow. Je me demande bien où est-ce qu'il peut être. Hein? Bah, laisse tomber. Regarde. Et d'où elles sortent? Je ne sais pas, je les ai jamais vues. T'as pas envie d'aller faire connaissance? Sans problème. Mo, tu t'es mis à la pâtisserie maintenant? Ouais, c'est ça. T'es super. Ouais, comme ça. Super, marrez-vous. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Devinez. Casimir? Eh ouais, Casimir. Attends, mais il est génial ce Casimir. Ah ouais, vous trouvez? Je parie que t'es encore trop près d'Angela, non? Bah ouais, Angela, tu sais, elle est super mignonne. Et où est-ce que t'étais? Bah j'étais sur la petite crique déserte, tu sais, entre les deux falaises, là. Où personne ne va jamais, tu sais. Personne sauf nous qui connaît le chemin. Ouais, ouais. On aurait dû y penser, Tom. Hein? Ouais. Alors là, j'étais tranquille avec. Angela. Oui, Tom, Angela. Et t'allais conclure? Oui, j'allais conclure. Mais malheureusement, Casimir Ninja est arrivé avec sa farine et ses œufs, tu vois. Vous pouvez rire. Hein? Bon, pour jamais rien faire avec, avec Angela, avec son fou de frère, là, il faut absolument faire quelque chose contre lui. Il faut le mettre de côté, tu vois. Et ouais. Ouais, c'est vrai, sinon on pourra rien faire. Hein. Et je vais dire une chose, moi, si je le vois, ce Casimir. Je sais pas ce que. Ouais, mais en attendant, je crois qu'il faut que tu ailles prendre une douche, toi. Oui. Ceci dit, y a personne à cette heure-là dans la piscine. Ah oh non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, pas mal de monde. Mais bah, c'est pas non. Vous êtes immonde. Au moins, t'es propre comme ça. Vas-y, on va prendre un café. Les copains, hey, c'est Casimir, hey, les copains, hey. Qu'est-ce qu'il y a, Casimir? Il a remis ça. On était tranquillement en train de prendre un café avec Philippe et Nicole. Et puis le ninja, il a fait les œufs, se ramène et voilà le travail, quoi. Et alors? Il y a ce Philippe, il a couru après lui, il l'a coincé et maintenant il veut le tuer. Quoi? Mais tu pourrais pas le dire tout de suite, où est-ce qu'ils sont? Bah, il l'a emmené dans son bungalow. Bah, vite, il faut y aller. Hein. Oui. Mais attendez-moi là. Vite. Attends, hein. Ah, tu fais moi le fier, hein? Si tu crois que je me fais peur. Philippe, écoute. Ah, laisse-moi. Ah, tu veux t'amuser avec Philippe, hein? Mais bon, on va être deux à s'amuser, tiens. Tu sais même pas le faire. Ah, t'as pas peur, hein? Ah, on verra quand t'auras goûté ma petite mixture, tiens. On verra si tu prends encore le mariole. Mais Philippe, calme-toi, je t'en prie, c'est qu'un enfant. Laisse-moi. Ça fait deux fois qu'il me transforme en patatart, alors là, il va me le payer. Mais Philippe, il regrette, il savait pas ce qu'il faisait. Oh, mais dis-lui, toi, que tu regrettes. Je regrette. Ah, tu vois. Ce que je regrette, c'est pas en avoir mis plus sur ta tête d'andouille. Ah oui. T'aimes ça, la farine à légion 2, hein? Eh ben, tu vas goûter une spécialité de tonton Philippe, tiens, avec de la moutarde. Ah, ça c'est bon, la moutarde. Ça donne du goût, ça. Non, mais Philippe, tu vas pas faire ça! Ah, bouge-toi de là! Si tu fais ça, mamie, elle va te faire radier des pompiers, elle a plein de relations! Quoi? Moi? Radier des pompiers? Moi? Philippe Grand Loup, deux fois décoré au feu? Tu vas voir, petit voyou, mais tiens! Mais arrête! Hein. Laisse-moi! C'est bon, mais, hein? C'est bon! Pas, bon, monsieur! Arrête! Bon. Philippe, franchement. Tu ne suis pas au moins? Pas pour l'instant. Hein. Heureusement qu'on était là, Casimir. Hein. Ouais, putain, c'était dégoûtant cette mixture. Ouais, c'est vrai, c'est pas très bon, hein. Bon, allez, dépêchez-moi vite. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, Casimir. Venez avec moi, vous.
Mais dépêchez-vous, s'il me trouve, il va me massacrer. Bon, écoute, Casimir, tu te calmes, t'as qu'à pas faire ce que t'as fait, hein. Toi, chut, hein. Ouais, sinon, Philippe, il faut apprendre à profiter de la situation, là. Comme ça, si on va avoir une chance avec Angela, moi, je pense, franchement, qu'il faudrait le laisser attacher ici toute la journée. Ouais, non, mais regarde-le, il est capable de se libérer. Non, non, ce qu'il faut faire, c'est le terroriser un maximum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, on va faire semblant de se battre avec Philippe, comme si on voulait l'empêcher d'entrer, comme ça il aura encore plus peur, Casimir. Ouais, ouais. Après. Et ben après, vous verrez. Bon, alors vous m'libérez. Oui, mais à une condition, Casimir, c'est que tu nous promettes de ne plus recommencer. Bon, d'accord, mais défigez-vous. Ouais, sinon... Philippe. Vous avez entendu? Oh là 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 là. Ah bah, ça c'est Philippe. Ah non, non, dépêchez-vous, cachez-moi. Chut, d'accord, d'accord. Bon, Eric, toi tu restes ici, Tom tu viens avec moi et on va l'empêcher d'entrer. D'accord. Oula, oula, dis donc, si il t'attrape toi, tu vas recevoir. Je tiens bien la porte au moins. Oui, oui, t'inquiète pas. Voilà. Le Philippe, elle est tellement fort comme un coup d'épaule et puis... Hein, qu'est-ce qu'il va me faire? Moi, j'en sais rien. Vu l'état dans lequel tu l'as mis, il est capable du pire. Hein. Oh, il cogne fort en plus. Attends. Ça se calme. Une hache de guerre. Ouais, il va revenir tout cassé avec elle. Ah non, mamie, vite, vite! Dépêchez-vous, détachez-moi! Ah ben non, c'est pas possible parce qu'il est fou furieux là, hein! Ah bon? Si jamais il t'attrape, alors là tu. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben je crois que la seule solution c'est te cacher parce que sinon, Philippe, s'il arrive et. Mais mamie, mamie! Mais où? Où? Mais je sais pas, moi, la porte ouverte, qu'il me trouve pas! Ah bon? Oui, mais à une seule condition, d'accord? Que tu ne bouges pas de la journée. D'accord. Et la prochaine fois qu'on sera avec Angela... tu nous laisseras tranquille, d'accord? Oui, mais détachez-vous, détachez-moi. D'accord, vite. Casimir? Oui, détachez-moi. Okay. Ça va? T'as pas trop mal, non? Détachez-moi. Vite, oui. Détachez-moi. T'inquiète. Oh, ben c'est... Mais vite. Il est fou, ce Philippe. Allez-y. Bon, hop là, hein. Tiens. Cela. Bah écoute, je sais pas, moi je donne ma langue au chat, on a regardé partout là où il pouvait se trouver, il trouve pas, Bah, tu vois là, ils vont m'entendre, hein. Bah écoute, t'énerve pas, Agnès, je sais pas, ils doivent être retenus quelque part là. Oui, bien moi, je préférerais qu'ils soient retenus dans leur cour. Ouais, bah je sais bien, mais bon. Ah bah tiens, regarde Black Bob, ça se trouve, il les a vus lui. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, Nicolas? Avec moi, ça marche comme ça, faut pas venir me chercher, c'est tout, chemise. Ouais, bah j'ai vu. Et tu sais quoi, tu m'as épaté, hein. Ouais, je sais, je sais. Ah, salut les filles. Salut Bob. Salut Bob. Ils t'auraient pas vu les garçons? Les garçons, si, si. Ils sont dans le local avec Casimir. Dans le local avec Casimir? Mais oui, parce que Philippe voulait le massacrer, alors ils ont été obligés de l'emmener encore tout attaché sur sa chaise. Attendez, vous pouvez nous expliquer? Bon, j'explique. Casimir, il a remis ça avec la farine et les œufs. Et bien ce coup-là, Philippe, il a vu rouge. Alors il l'a coursé et il l'a coincé. Il a voulu se venger en l'attachant sur une chaise. Alors les garçons et moi, on était obligés d'intervenir pour soustraire Casimir à la vengeance de Philippe, voilà. Ah bon, d'accord. Ouais, et bah heureusement que Bob était là, il a donné un coup de poing à Philippe, il l'a mis KO. Ouais. T'as fait ça, Bob? Ouais, ouais, j'ai fait ça. Non mais là, ça va, il récupère gentiment, là. Si tu veux, je sais doser mes coups. Bah, j'ai juste tapé pour le neutraliser quelques minutes, quoi, voilà. Mais il s'en est passé des choses. Donc, là, les garçons sont dans le local avec Casimir. Normalement, oui. C'est pour protéger le petit farfelu de Philippe. Ouais, je comprends. Bon, moi, ça m'a donné soif, tout ça. Tu viens, Nicole? Ouais. Bon, super, ciao. Hein. Allez, viens, toi. Ouais, j'arrive. Ça va? Bah, tu vois, là, Casimir, il va m'entendre aussi. Mais promis de se tenir tranquille. Ah oui, mais bon... Mademoiselle Girard! Mademoiselle Girard! Quoi encore? Mademoiselle Girard, je tenais à vous informer que... Oui, que les garçons ne sont pas leur cours, je sais, Michaud. Oui, mademoiselle Girard, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont tous les trois dans le galop d'Angela. Ah non! Agnès! Agnès! Même la croix, mais qu'est-ce qui se passe? Casimir est introuvable! Mais Casimir. C'est bizarre ça, vous l'avez cherché partout? Oui, 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 mais je le trouve nulle part! Je suis inquiète, Agnès, je suis inquiète! Mais ne vous inquiétez pas, Madame Lacroix. On l'occupe tout de suite. Oui, et bien justement, c'est ça qui m'inquiète! Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans nos jambes là? Allez, rendez-vous utile, je sais pas, faites quelque chose! Cherchez, cherchez, bon sang! Tout de suite! Trouvez-le! Tout de suite, Madame Lacroix! On l'occupe tout de suite! Allez, dépêchez-vous! Allez!
regarde, il voit même pas où il met les pieds. Oh, je suis inquiète, aidez-moi. Aidez-moi, non, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe personnellement. Oh, c'est très gentil. Je continue mes recherches quand même. Mon petit Casimir. Mais Agnès, mais pourquoi tu lui as pas dit que Casimir était dans le local avec les garçons? Regarde, elle cherche partout, là. Mais parce que quelque chose, je préfère rester prudente, tu vois. Je sais pas ce qu'ils ont pu imaginer. Bon, on va dans le local. Alors, on verra après. Où ils sont? Casimir! Pas d'arriver au moins. Ah oui, ça c'est sûr, Angela. Oui, archi sûr. Ah oui, là on est tranquille, il a eu tellement peur avec le Philippe, c'est sûr il va nous laisser en paix. Ah, j'aurais aimé voir ça, mon pauvre petit frère en train d'avaler de la pâte à la moutarde. Ah, ça va le calmer pour le reste des vacances, non? Angela, maintenant qu'on est tranquille, je voulais te demander... Oui, qu'est-ce que vous vouliez me demander? On voulait savoir si... Ah, vous êtes mignon comme ça, tout timide. Entre parenthèses, vous êtes plus audacieux quand vous êtes seul avec moi. Ouais. Bon, vous voulez savoir lequel je préfère? Oui. Ouais, c'est ça, Angela. Aucun. Ah bon? Oui, en fait, c'est-à-dire, je vous trouve tous les trois craquants. Oui, d'accord, mais... Mais vous voulez que je choisisse? Oui, c'est ça, Angela, choisis. Ça va pas être facile de choisir. Ouais. Eh bien, on va laisser faire le hasard. Venez, mettez-vous en cercle autour de moi. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, vous allez voir, c'est super marrant. Je vais fermer les yeux, tourner, m'arrêter. Celui qui sera en face de moi m'embrassera, et si je le reconnais, ce sera lui l'élu. Oui, mais Angela, si tu ne le reconnais pas... Eh bien, je recommencerai jusqu'à ce que je trouve. C'est ouais. Bien, non? Ouais, d'accord. Ouais. Ma belle. Oh là là, c'est mamie. Vite, vite, cachez-vous. Mais où est-ce que tu veux qu'on se cache à trois? J'arrive, mamie, j'arrive. Là, sous le lit, tenez, dépêchez-vous. À trois sur le lit. Mais oui, n'importe comment, vous allez vous serrer, dépêchez-vous. Allez, vite. Oh, allez, les chaussures. Allez, serrez-vous. Oh, bah dis donc, t'en as mis du temps pour ouvrir. Bah, c'était sous ma douche. Oh, tu sais que ton petit frère a disparu, moi. Oh, il est introuvable. Ah bon? Oh, si tu savais dans quel état je suis, moi. Mais mamie, t'inquiète pas, enfin tu connais Casimir. Bah oui, seulement justement, dès que je le vois pas pendant 5 minutes, moi je me demande quelle catastrophe se prépare. Mais écoute, allez bien, on va aller le chercher, mais t'inquiète écoute, pas. Je l'ai cherché partout, là. Mais ça fait rien, on va recommencer, on va chercher encore. Oh, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu as? Moi rien, je suis inquiète, c'est tout. Allez, viens, je suis sûre que t'as raison, il a encore dû faire une énorme bêtise. Oh, viens. Tu crois? Oh, ça, je le savais. Genre, mon Dieu, pourvu qu'il lui soit rien arrivé, mon petit Casimir. Décidément, c'est Casimir, même quand il n'est pas là, il nous met les bâtons dans les roues. Ouais, on aurait bien fait d'éliminer la mamie aussi. Hein. Ouais. Elle est longue, celle-là. Oui. Oh. Non, moi, tu vois, je suis un adepte à non-violence, quoi. Alors donc, j'utilise ma force que dans les cas de force majeure. Bah, tu te maîtrises, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est dommage parce que moi, je trouve ça super quand tu te laisses aller. Ah ouais? Bah, arrête, c'est super impressionnant. Le Philippe, tu l'as retourné comme une crêpe. Ouais, non, mais ça, c'était de la chance. Non, tu dis ça par modestie. Hein. Moi, je suis sûr que si Philippe revenait, t'en ferais qu'une bouchée. Oui. Ah oui. Bon, eh ben, je suis totalement écœuré, moi. Ouais, en plus, la fin de la semaine approche, il ne reste plus beaucoup de temps pour goûter à la petite Angela. Hein. Non, mais regardez, hein? Ah bah, ouais.
Ça a l'air de gazouiller pour Bob, hein. Ah bah, il va peut-être arriver à conclure, lui. Eh bah oui, Bob qui conclut, et nous zéro, et voilà, c'est le monde à l'envers, quoi. Ah, on va pas se laisser abattre, hein. Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? Un café. Il est génial, le suédois, non? Ah bah, c'est normal, ça fait près de 2 siècles qu'ils ont une royauté d'origine française. Bon. Eh, 3 cafés, s'il te plaît, Babette. Voilà, ça va chauffer. Le pompier. Ah, t'es là, toi, hein? Viens ici. Tu sais, Philippe, pour tout à l'heure. Viens ici. Philippe, non, c'est un non-violent. Arrête. Tu vois, je suis sûr que Bob ne conclura pas aujourd'hui. Ah ben, au moins, il y a une justice. Ah, vous êtes là, vous? Bah oui, on est là, Agnès. Ah, tu nous cherchais, Agnès? Oui, mais y a pas que moi qui vous cherche, tous les clients aussi. Ah oui, mais ça veut dire qu'on a un masque. Bon, on va aller en parler dans mon bureau, comme ça vous m'expliquerez peut-être ce que vous faisiez dans le bungalow d'Angela tous les trois. Hein? Allez. Oui, on y va, Agnès, oui. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris. Oui, Agnès. Mais je t'assure, c'est vraiment pour son bien qu'on a caché Casimir dans la petite crique. Ouais. Pas plutôt pour être tranquille avec Angela, hein, Tom? Hein? Ah non, Brigitte, je te jure. Oh, le pauvre Casimir, il fallait quand même l'aider, non? Ah oui, 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 il fallait l'aider. Il fallait le protéger de Philippe. Oui, parce que Philippe, si vous aviez vu dans l'état où il était, il était complètement fou, Philippe. Ah ouais, attends, il était prêt à tout, le pompier. Ouais. C'est pour ça que t'étais dans le bungalow d'Angela avec Eric et Mou, bien sûr, normal. Ah non, ah non, non. C'était pour c'était pour leur dire d'aller à leur cours. Hein, les garçons? Oui, 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 Tom. Bon, allez, ça va. L'essentiel, c'est que vous ayez évité le pire entre Casimir et Philippe. Alors, rien que pour ça, je vous pardonne. Ah, t'es une directrice géniale, Agnès. Bah, je dirais même, t'es super géniale. Bon, allez, on oublie tout et on boit le verre de l'amitié. Oh, bah oui, hein. Santé. Ah, santé. Santé. Oh, oui, oui, bah, ça brûle. Hop là. Bisous. Bonsoir, bonsoir. 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 Je voulais remercier les garçons pour tout ce qu'ils ont fait pour mon petit Casimir. Ah bah tu vois, Agnès, heureusement qu'on était là. Oui, et Bob aussi un petit peu quand même. C'est quand même lui qui a cassé la figure à Philippe, hein? Oh, quel courage. Casimir m'a tout raconté. Il n'est pas là, Bob? Non. Ah, oh, c'est dommage, ça, parce que j'aurais aimé le remercier, lui aussi. Hein? Ah, oui. Et Casimir? Casimir, il préfère rester dans son bungalow, il n'a pas trop envie de croiser Philippe. En tout cas, je suis très contente que tout soit fini. Et pour l'occasion, j'ai donné la permission de minuit à Angela. Comme ça, elle pourra rester danser avec vous ce soir. Je vous la confie. Les garçons, attention, soyez sérieux, je compte sur vous, hein? Vous pouvez compter sur nous. Oui. Alors là, vous ne craignez rien. Mais je ne crains rien. Je sais qu'elle est dans de très bonnes mains. Ah oui. Yoda. Oh non! Oh non, mon petit Bob, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, c'est rien, c'est Philippe qui est revenu à la charge, mais je l'ai laissé faire parce que je suis un adepte de la non-violence, alors je préfère utiliser ma force qu'en cas de force majeure. Oh, quelle belle âme, hein, c'est... Philippe, c'est une sale brute. Où est-il? Je vais lui dire ma façon de penser, moi. Bah, là, il est avec Nicole, c'est une copine, il a été tellement secoué par tous ces événements qu'elle lui remonte le moral, ils ont décidé de dîner en tête-à-tête. Ah, c'est bien, c'est bien. Oh, écoutez, je sais pas comment vous montrer ma reconnaissance. Bon, bah, c'est tout naturel, vous savez. Oh, non, 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 il faut absolument que je fasse quelque chose pour vous. J'y tiens, j'ai là, j'y tiens. Voilà, qu'est-ce que vous diriez d'un petit dîner en tête-à-tête? Ah, bah, je vous invite. Bah, ça me changerait les idées. Enfin, je veux dire, ça serait sympa. Alors, ça serait très sympa. Ça serait sympa, ouais. Hein, oui, c'est ce que je pense aussi. Ça serait très sympa. Parce que c'est quand même vous qui avez sauvé mon petit Casimir, hein. Allez, venez, on va se raconter nos petites vies. Au revoir, les enfants. Au revoir, hein. Elle est super, ta mamie. Ah bah, elle est redoutable. Bob n'a qu'à bien se tenir. Mmh.